sango toko yoka television toko mona bande ko ba kokufa pona bitumba na mboka Baby na bitumba Banguna bae ko baby c'est la vie so ekolo Dotele ma basoto lele lansambe Tantambi mo désolé talati ya Congo e wasi sangu duze tuwe Batata ba mama matoko yeze ndomba bete famu mvite ya mpasi ye manyongwe Anga ya ya pasi ye Shida ni ile structure ni mpangilio zetu. The way of function. Hali ya kila mpangilio unakuwa na hali ya kiakili ambayo inatokea kule. Maana hii people, the way people see the church. Jinsi watu wanavyotazama kanisa. The way you present things. Jinsi unavyoonyesha vitu kwa watu. The way the structure. Na ndivyo kabisa mpangilio huko. Determine what you become tomorrow. Kwa hivi skeleti yako ndio inapambanua utakuwa nini kesho. Kwa hivi kabisa itatufundisha haya yote na kutoka Sayuni. We teach them. Lazima tuwafundishe. Come for teaching. Mkuje mfundishwa. We tell them what is happening. Tumechoka na yale ambayo yanatokea. Instruction come from Zion to what to the nations. Mafundisho yanatokea Sayuni kuendea mataifa. The world will advance through the revelation that flows from John. Dunia itaenda mbele kupitia ufunuo unaotiririka kutoka Sayuni. I just realize that the responsibility of the church pale nina kufikiria majukumu za kanisa is so large kwamba ni pana sana and our mind na akili yetu is so small mara kwa mara ni ndogo uweza kabisa kuishikilia hata ni wamini when we are giving an example of Nigeria hata wakati tuliwapatia mfano wa Nigeria they did not arrive yet mpaka pale nao wabarafiki. No. It's a small part. In God's name, no. Of what God really wants to accomplish. Wa kila ambacho Mungu iko nataka kutimiza. Even when we talk about America. Wakati hata kama tunazungumza kuhusu wa America, they look after this. But at least now hawajafika fast. Lakini hata hivyo, yeah. Wangani wanaanza aina vizuri. All powers above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man, you were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of earth.
measure what you were. Crucified and laid behind the stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took thought of me above all, above all powers, above all kings, above all nature and all na maombi bandugu yetu Mungu awapatie njia ya kurudia kwa manyumba. Oui, c'est encore possible de reconstruire ce beau pays.
Motivé de dispenser ces thèmes aux responsables des églises et des pasteurs des différentes églises de la ville de Goma. Oui, c'est parce que la vision de Eagle School, c'est d'atteindre tous les serviteurs qui se trouvent au Congo. Alors, comme Congo a des provinces, je crois 11 provinces, et nous sommes obligés d'aller dans toutes les provinces et annoncer la bonne nouvelle. Parce que nous croyons que si nous restons seulement à Kinshasa, au centre du capital, le message ne sera pas être passé comme Dieu le voulait que ça soit passé. Parce que c'est un message qui vient du ciel par rapport aux révoltes et à l'équipement de l'homme de Dieu ici au Congo. Voilà la raison pour laquelle nous nous sommes retrouvés à Goma. Dans cette période de troubles, de guerre, nous avons accepté d'être ici. Merci. Et par rapport à quel âge as-tu et par rapport à l'appréciation de la salle, pensez-vous vraiment avoir atteint le minimum d'objectifs qui vous a amené dans cette ville? Je ne peux pas le dire jusqu'à ce que nous aurons des résultats palpables
de l'application de ce qui a été libéré comme parole de Dieu. Et quand nous verrons des fruits, c'est de là que nous pouvons dire que le Seigneur a fait son travail. Mais pour nous, on a vu que les gens venaient, du jour au lendemain, les gens s'augmentaient et les gens étaient attentifs à écouter la parole. Ils écrivaient, ils lui posaient des questions. En tout cas, nous avons compris que les serviteurs de Dieu ont accepté la parole. Ils ont été bénis par rapport à ce qui a été libéré. Mais pour dire qu'on atteint les objectifs, c'est le Seigneur qui les connaît. Et on ne peut qu'évaluer les objectifs quand nous aurons voir les fruits sortant de ce qui a été libéré. Différents points de vue ont été soulevés dans la salle, comme les dîmes, l'offrande, la responsabilité des pasteurs. Pouvez-vous, en gros mots, en gros, briefer ou expliquer encore ces thèmes pour mieux éclaircir nos téléspectateurs? Notre objectif principal était de demander ou poser la question à l'homme de Dieu, quel âge a-t-il, de faire l'évaluation par rapport à ce qui est entre de passer dans le cœur de Dieu et en comparaison avec ce qui se passe sur la terre. En fait, les petites difficultés que les gens sur les dîmes et les offrandes, ce n'était pas notre objectif. Notre objectif est que l'homme de Dieu se révolte, que l'homme de Dieu soit bâti intérieurement et l'homme de Dieu soit équipé pour affronter les grandes choses qui se contemplent sur les dîmes et les offrandes, donc qui ont été sujet des petites questions. L'Église s'est fait l'idée que le leadership c'est une affaire politique et autres. Mais aujourd'hui, vous avez démontré que même l'Église peut, en Église, il peut ressortir des leaders. Alors comment et au travers de quelle stratégie l'Église peut, au travers le leadership, peut changer ces pays? J'ai répondu à une question qui m'a été posée dans la salle sur le leadership. J'ai dit ceci, personne ne peut diriger quelqu'un s'il n'est incapable de se diriger lui-même. Le leadership commence par toi-même, à l'intérieur de toi. Si tu es capable, tu développes les qualités intérieures. C'est alors que ces qualités seront exposées extérieurement, alors que les gens seront attirés et tu seras capable d'influencer et de diriger et d'être coté comme un véritable leader. Vous avez promis à l'auditoire une seconde édition. Et quel message d'appel vous leur envoyez maintenant là pour participer à la seconde édition? À la fin de la réunion, quelqu'un a posé la question. Qui ont causé ces problèmes que nous avons aujourd'hui? Et moi j'ai dit, je pense que les réponses des Eagle School seront à travers des conférences. Et j'ai dit à la fois prochaine que les gens viennent ensemble, les serviteurs de Dieu viennent pour qu'on réfléchisse encore sur le mot Abba, qui veut dire Père. C'est ça le thème de l'édition prochaine. Et par rapport à Eagle School, quelle est sa participation dans le développement des églises et le renforcement des capacités des serviteurs de Dieu? Ce ne sont que les conférences que des séminaires. Et à part les conférences que les séminaires, nous mettons notre doigt comme étant Eagle School à quiconque qui veut être participant ou citoyen de notre réseau. Nous irons jusque-là voir si les messages qui sont prêchés dans des conférences attendent les membres qui sont dans leurs églises ou dans nos églises. Parce que l'Eagle School a la mentalité apostolique. C'est plus de bâtir que de faire beaucoup de bruit. Vous avez visité notre ville, Goma. Qu'est-ce que vous en dites? C'est une ville bénie. Que Dieu vous bénisse. Merci. Vous pouvez vous présenter? Oui, moi je suis le docteur Jean-Oli Kiamakia de l'église EPRD. Je suis deuxième vice-président des associations d'églises de réveil AER en sigle. Papa, vous venez de participer à la conférence animée par l'apôtre Hildor. Quelles sont vos estimations, vos ressentiments par rapport à la journée, aux trois jours passés ici? On a été vraiment très bénis. C'était pour nous vraiment une grande bénédiction de recevoir cet homme de Dieu qui a une vision très claire pour aider les hommes de Dieu et l'Église à prendre ses responsabilités de manière à impacter non seulement les membres des églises, non seulement le chrétien, non seulement le simple citoyen, mais aussi même les autorités, même toute la nation. Papa, le leadership dans l'église et l'auto-identification avec les thèmes, quel âge as-tu? Qu'est-ce que vous avez pu comprendre par rapport à ces deux thèmes? Ok, donc par rapport d'abord au leadership, nous avions compris que c'est important que la nation ou bien l'Église puisse avoir des bons leaders, parce que sans cela, on ne peut pas avoir des grands changements, on ne peut pas faire vraiment ce que Dieu
attend donc de l'Église. Donc un leader est très important pour l'Église et pour la nation. Par rapport à notre thème, quel âge a-t-il, c'est vraiment une interpellation pour tout et chacun de se poser la question depuis que j'inscris au Seigneur, depuis que je travaille dans mon ministère, qu'est-ce que j'ai déjà fait? Qu'est-ce que mon ministère a apporté comme impact dans mon entourage, dans mon église, dans mon quartier, et même dans la nation? Donc c'était vraiment quelque chose, un défi quoi. Donc ce thème, c'était une façon de défier tout et chacun, à prendre conscience que, attention, j'ai quand même passé un temps et que je dois donc m'évaluer et savoir ce que je dois faire pour faire la volonté de Dieu. Quelles sont vos perspectives à venir et les messages que vous pourriez apporter à l'Église et à la nation congolaise tout entière au travers ces messages? Ok, les perspectives, c'est-à-dire quoi? Donc, par rapport à moi-même, d'abord, je viens de prendre la décision de m'engager, hein, de m'engager et à être vraiment très haut, dans une intimité profonde avec mon Dieu, pour que je sois utile par rapport à l'âge spirituel que j'ai ou ministériel que j'ai avec, donc, dans l'heure à laquelle Dieu m'a appelé. Oui, par rapport donc, à l'Église, je puis recommander que chacun de nous puisse prendre ses responsabilités de manière à ce qu'il ne puisse pas perdre son temps inutilement. Que nous avons une mission accomplie sur terre, Dieu attend de nous de faire des choses pour sa gloire et pour l'avancement du milieu où nous sommes, de notre nation, parce que l'Église à laquelle Dieu a donné la mission de faire cela, parce qu'il a dit, sur cette pierre, je bâtirai mon Église et les portes de la fin ne prévaudront pas contre elle. Donc c'est vraiment l'interpellation, c'est un conseil aussi que je donne à tous ceux-là qui nous écoutent, de pouvoir comprendre que Dieu attend de lui de changer son milieu avec donc une intégrité selon Dieu, selon sa parole, et le monde a besoin de cela. Nous vous remercions, papa. Ok, que Dieu vous bénisse. Oui, je m'appelle Valérie Kitoana Shibari, je suis pasteur à l'église 8e CEPAC Office Kanisa Lamungu. Papa Valérie, nous venons de participer à la conférence des leaderships chrétiennes animée par l'apôtre Hildor. Par rapport au thème débattu au cours de cette conférence, quel est ton âge, les leaderships chrétiennes et d'autres, quel a été votre vraiment point de vue et pressentiment par rapport à ce thème? Je voudrais d'abord vous remercier pour cette opportunité. Quant à ce qui concerne votre question, c'est que nous venons de passer 4 jours. Et 4 jours avec toute l'église de Goma, ça veut dire les églises de l'ECC, les églises de Réveil, les églises d'AER, avec les évangélistes, le pasteur et les autres serviteurs. Et nous avons réfléchi autour du thème « Quel âge as-tu ?» Et l'animateur principal, c'était l'apôtre Hildor Voila, qui vient de l'Irlande. Il est congolais, il vient d'Irlande. Et il a réussi à constituer un ministère qui s'appelle Eagle School, c'est-à-dire l'école des aigles. Et il était question de réfléchir autour de la question que Pharaon avait posée à Jacob. Lorsque les fils de Jacob ont rencontré Joseph en Égypte, quels sont les nombres d'années que vous avez? Et l'orateur, il a insisté sur le fait que nous, en tant qu'Église, en tant que serviteurs de Dieu, nous devons chaque fois nous poser la question, qu'est-ce que nous avons déjà produit? Comment est-ce que nous sommes arrivés à impacter notre société qui est en difficulté, nous, en tant qu'ambassadeurs du Christ? Mais ce qui m'a beaucoup plus marqué, c'est que pendant ces 4 jours, nous avons trouvé que nous, en tant que serviteurs de Dieu, nous devons servir de référence. Ça veut dire, nous devons avoir une connaissance qui est révélée. Et s'il faut parler d'une connaissance qui est révélée, ça veut dire, le Saint-Esprit doit imprimer en nous quelque chose qui puisse impulser au niveau de notre société des attitudes nouvelles, des manières nouvelles d'assumer des responsabilités. Mais aussi, nous avons compris que dans notre leadership, nous ne devons pas rester au statu quo. Mais notre leadership doit subir une mutation
pour que nous puissions être en mesure d'éluire la société, mais aussi de la saler, comme le dit la parole de Dieu. Voilà en gros ce qui m'a beaucoup plus frappé pendant ces 4 jours. Oui, Eagle School, quel âge as-tu? Et par rapport au leadership chrétien, quelle est la part de l'Église dans les changements des mentalités et le développement de notre pays au 21e siècle? Merci. En fait, l'orateur a pris le 2e chapitre du livre d'Ésaïe, où il a tiré un message prophétique. Il a dit qu'il y a 7 montagnes auxquelles nous, Église, nous faisons face au niveau de notre société et que nous devons arriver à les assujettir. Il y a la montagne politique, il y a la montagne de la religion, il y a la montagne des médias, il y a la montagne de célébration, il y a la montagne de l'éducation, il y a la montagne de l'économie et il y a la montagne des familles. Il faudrait à ce que nous, au niveau de l'Église, nous puissions arriver à réaliser une métamorphose, un changement radical pour que ce qui était impossible au niveau de notre société, ça soit possible. Que nous ayons des ministres, des gouverneurs, des présidents de l'Assemblée, des présidents de la République, qui soient capables d'œuvrer pour le peuple. Et c'est nous, Église, qui enseignons la parole de vie. Les membres de nos églises, ce sont les ministres, ce sont les députés. Si nous pouvons arriver à impacter en eux, ils vont arriver à élire des lois qui seront capables d'aider la population. Donc, c'est cela qui nous a été dit et qui nous a frappé et que nous avons partagé pendant ces 4 jours. La semence a été semée. Et quel est votre vœu, votre prière au travers de cette parole qui pourra apporter dans le futur? Ma prière, c'est que ce qui a été impacté à moi, c'est que je sois de la génération d'aigle. Que je sois aussi l'aigle de Goma capable d'impacter ma société. Et je crois que c'est l'engagement que nous avons pris, l'engagement selon lequel c'est nous qui allons montrer la direction. C'est nous qui allons amener la population, la société à suivre la direction dans laquelle doit se retrouver pour que la paix, pour que la sérénité, pour que le changement puisse se réaliser au niveau de notre société. Nous vous remercions, papa. Merci.